Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer un truc et vous allez comprendre. Aujourd'hui, c'est un petit haul, un grand haul Shein. Je fais une commande. J'ai fait une assez grosse commande. J'ai posé ça sur une table à côté de moi, une table basse. On va commencer tout de suite parce que ça va être très long sinon. On va commencer avec des articles qui ne sont pas de la mode. Comme ça, après, on se concentre sur la mode. Donc, j'ai acheté un petit verre trempé comme ça, là. Pour moi, j'ai un iPhone 13. Donc, du coup, c'est un petit verre trempé pour l'arrière de l'écran. Voilà, tout simplement. C'est pour protéger comme ça. Je me suis acheté 3 coques parce que, du coup, j'avais eu des coques avec quand j'ai acheté mon téléphone. Mais elles sont un peu en train de se péter. Donc j'ai pris une transparente comme ça avec des rebords assez gros, tout simplement pour mettre ça. Je l'avais acheté en même temps que j'avais acheté mon téléphone. Enfin, c'était ma meilleure amie qui me l'avait acheté et du coup je l'avais jamais mis. Donc du coup hop, je vais faire comme ça. Je me suis pris une comme ça, donc une coque comme ça avec un galon, parce que c'est vrai qu'il était... Franchement, l'été, je trouve que c'est très pratique. Si tu veux pas emmener tout ton téléphone, t'emmènes juste ça. Donc voilà, elle est cool en fait, elle est couleur crème. Et en fait, elle a des petits cœurs sur le côté et tout. Enfin, franchement, je la trouve super jolie. Voilà, avec le petit galon. Et la dernière, c'est ma préférée. À chaque fois, ils mettent des petits trucs comme ça là, pour bien protéger les coques. Ça, c'est vraiment cool. Celle-là, c'est celle que je vais mettre maintenant. En fait, il y a une femme, je sais pas si on la voit bien. Voilà, comme ça. Et franchement, celle-là, je la trouve super jolie avec les 3 couleurs. Voilà. Donc, je vais vraiment faire, genre, piocher mes articles un après un et les essayer. Comme ça, ce sera plutôt très simple. Alors, en premier, c'est un... J'ai pris pas mal de trucs, là, pour la fin de l'hiver, là, parce que, franchement, j'avais quasiment rien. Donc, j'ai pris un gros pull, comme ça. Hop, un peu crop top. Enfin, beaucoup crop top, même. Et le tissu est trié comme ça. Je crois que je vais l'essayer comme ça sur ma robe, parce que de toute façon c'est comme ça que je m'habille en hiver. C'est vraiment genre une robe normale avec juste un pull par dessus. Alors, ah, j'ai pas pris mon miroir, je vais chercher mon miroir. Voilà, avec mon miroir je vais le mettre ici. Comme ça vous me voyez et moi je me vois. Donc il est franchement pas mal. Il est pas trop court. C'est-à-dire qu'il est court comme il faut, parce que du coup, il est crop. Mais je trouve que c'est vraiment cool. Franchement, je le trouve super joli. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la matière parce qu'elle est épaisse, mais sans être trop épaisse. Donc même pour la demi-saison avec une robe classique dessous, ce sera vraiment très bien. Et bah, franchement, je suis très contente de ce petit pull. Ensuite, ça c'est un sweat à capuche, si je me rappelle bien. Donc voilà, un petit sweat à capuche comme ça, couleur crème, cœur pareil, je vais l'essayer comme ça. Il est tout doux à l'intérieur, trop bien. Il est vraiment genre super chaud à l'intérieur. J'aime beaucoup et franchement je trouve que ça va super bien avec mes cheveux. Franchement j'aime beaucoup, vous voyez genre ce genre de tenue là avec une petite jupe. Bon, franchement collant bottes, enfin collant bottes ou collant bottines, parce que franchement sinon... on se les gèle en ce moment, mais franchement j'aime beaucoup la petite capuche et tout, franchement, le swag. Non, franchement j'aime beaucoup ce style là en ce moment, genre un peu street, robe, c'est trop maquillable en ce moment, j'adore. Ensuite, ah, ça c'est un short qui fait beaucoup de bruit, de toute façon ça passe ou ça casse hein. Est-ce que ça se voit que je suis pas à l'aise du tout? Il n'y a pas de poche. J'ai gardé ma robe en dessous. Vous connaissez le jour de la flemme où tu veux essayer tes articles mais que tu as trop la flemme de te déshabiller, genre vraiment. Bon, ça, je peux pas parce que ça remonte et c'est très désagréable. Parce que j'ai des cuisses qui se touchent. Parlons franchement. Et franchement... Je trouve que c'est une matière qui grossit, que j'ai l'impression d'être un sac à patates. Alors qu'il y a 2 secondes et demie, quand j'avais ma robe, je ne me sentais pas sac à patates. Celui-là, je ne vais pas le garder. Franchement, je ne vais pas le garder.
je le trouve pas joli. Je trouve qu'il met pas en valeur. Non, franchement, non. Alors, on continue. On continue. Et ça, c'est un petit top. Un petit top comme ça, beige. On essaye ça tout de suite. Avec la robe en dessous, c'est pas joli. Enfin, je m'attendais pas à ça. Mais en même temps, je trouve que c'est assez joli. Bon, j'aime, en tout cas, j'aime bien le t-shirt. Il est plutôt bien. Tu sens qu'il fallait pas une taille en dessous, par contre, hein, parce qu'avec ma poitrine, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, c'est limite que ça craque pas. Hein. Non, je pense pas. Ça craquerait pas parce que c'est quand même assez extensible. Très joli. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Avec une petite jupe en jean ou juste une jupe noire classique. Par contre, c'est hyper méga giga transparent. Je sais pas si vous voyez, mais on voit la couleur de ma peau en dessous. Donc c'est vraiment pas ça. Et c'est pareil, je trouve que c'est des couleurs qui vont super bien en rousse. Franchement, je trouve que c'est trop beau. J'adore. Celui-là, c'est exactement le même que celui-là. Trop bien, j'en ai un petit bouton en plus. C'est bizarre, pas celui d'avant. Mais voilà, c'est exactement le même, mais en noir. On va voir s'il est transparent. On se rend compte un peu plus de la forme du t-shirt. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ces tops. Je les trouve super jolis parce qu'ils ont un petit décolleté. Donc vraiment quelque chose de assez simple, assez classe parce que ça descend pas de trop, ça fait pas comme ça, mais c'est quand même joli. Et en même temps, ça fait vraiment voilà, top classe quoi. Plutôt demi-saison en fait, hein, les deux, hein, parce que sinon moi je vais me peler les fesses. Alors, je crois que c'est le même que le couleur crème là. Bon, c'est le même que le couleur un peu camel. Et du coup, celui-là est plus couleur crème. Il est super joli. Je le trouve trop beau. J'adore. Allez, on essaye. Qu'est-ce qu'ils sont agréables à l'intérieur. C'est fou. Ils sont vraiment tout doux. Il faut que j'essaye de vous montrer l'intérieur après. Je vous montrerai peut-être avec l'autre. Hop. Ah, il est un peu transparent celui-là. Bon, clairement, faudrait avoir des yeux de missile pour voir la différence. Mais j'arrive à voir ma robe à travers. Quoique, je sais pas trop. Si, j'ai l'impression quand même de voir un peu ma robe à travers. Bah franchement, celui-là, c'est une réussite aussi. Hein. Franchement, j'aime beaucoup aussi celui-là. Je trouve que c'est très joli. Avec un petit capuche. Bon, franchement, c'est trop beau, j'adore. Je vais essayer de vous montrer un peu la... Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment genre très moumoute. C'est vraiment super doux à l'intérieur. C'est trop agréable. J'adore, je valide. En plus, ils m'ont vraiment pas coûté cher, genre 6,40€ et quelques, je crois. Et bien, vous savez quoi? Je crois que c'est le même, mais en noir. Si, si, en fait, c'est ça. C'est le même, mais en noir. Est-ce que je l'essaye? Oui, je l'essaye. On va faire les cheveux électriques. On va essayer de faire ça en douceur. Hop, non, ça va finalement. Pas si électrique que ça. Hop. Bon, après, on a fini avec les hoodies, hein. C'était le dernier. Oh, mais ils sont tellement confortables à l'intérieur, je vous jure. Mais c'est ça qui me rend les cheveux électriques par contre. C'est le même que les autres. Hop, il m'a coûté un peu plus cher celui-là. Je crois qu'il était à 10€. Franchement, j'aime beaucoup. Je le trouve super joli. C'est pareil, ça, avec une petite jupe et tout. Franchement, c'est trop mon mood actuel. Enfin, vraiment, niveau tenue, c'est vraiment mon look actuel, quoi. Qu'est-ce que c'est? Ah non! Ah non, je suis trop déçue. Oh... C'est un body. C'est un body. Il est super électrique. Mais c'est surtout qu'en fait, je le pensais pas comme ça. Je le pensais en laine, quoi. Enfin, couleur. Enfin, en texture laine. C'est un peu texture maillot de bain. Vous savez, c'est une texture hyper légère, un peu satinée. Oh, je suis déçue. Je suis déçue. Bon, celui-là, on va le laisser de côté parce qu'il me faut une jupe, de toute façon, pour essayer. Et ça, normalement, c'est l'autre body. La couleur beige. Il m'a l'air super épais par contre. Et super large. Ah non, je crois qu'il n'y a pas de pression. Ah si. Ça, je vais essayer quand j'aurai une jupe. Faut que je trouve une jupe. Et bah parfait. La suivante, c'est une jupe. Trop bien. Du coup, celle-là, je l'ai prise parce que j'en ai une similaire, mais avec un gros bouton. Et du coup, ça m'a l'air très large. Et du coup, j'en voulais une autre. Parce que du coup je mets tout le temps l'autre et du coup elle est tout le temps en lavage. Et celle-là c'est vraiment similaire avec juste le zip un peu moins grand. J'ai un soutif,
Mais il est super transparent. Bon, de toute façon, pour ce que je veux l'utiliser, c'est pas très grave qu'il soit transparent. C'est genre pour le mettre sous des robes ou sous des t-shirts. Enfin, quand j'ai peur d'avoir froid, quand il fait vraiment frais. C'est un body tanga. Donc, si vous aimez pas les body string ou tanga, c'est même pas la peine. C'est super échancré. Genre, il m'arrive là. Voilà, par contre, il sert pas de trop. Il est vraiment bien. Et la jupe, c'est pareil. Je la surkiffe. J'aime vraiment trop ce type de modèle. Parce qu'en fait, elle est assez serrée au niveau de la taille. Et elle part quand même assez évasée sur le côté derrière. Donc, c'est vraiment joli. Elle est pile longue comme il faut. Elle est pas trop courte, pas trop longue. C'est vraiment trop bien. Je la trouve super chouette. Et on va essayer le deuxième body. Celui qui est couleur chair, et j'espère qu'il va pas être transparent. Là pour le body, il est vraiment très cool. Et lui, il est beaucoup moins échancré que l'autre. Bon, il est toujours très échancré, mais beaucoup moins. Donc si vous aimez les trucs un peu échancrés, ça va. Si vous aimez pas du tout, c'est pas la peine. Et bon bah toujours survalider la jupe, je la kiffe. Alors, ensuite. Alors, cette robe, ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil. Finalement, j'ai l'impression que le tissu est pas vraiment ce qui ressemblait sur les photos. Faut... Franchement, cette robe-là, pour voir comment elle est, faut l'essayer. Donc, je vais l'essayer et on voit ensemble. Bon, cette robe, qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas trop. Je suis un peu dubitative. Elle est très décolletée. Si vous aimez pas les décolletés, c'est pas la peine. Et ça, c'est joli et en même temps, bah, du coup, ça monte beaucoup les bras. C'est-à-dire que c'est pour une soirée dans une semaine, je vais me cailler les fesses, hein, clairement. Voilà. Mais sinon, elle est plutôt jolie. Mais par contre, du coup, elle est super électrique. C'est très électrique. Bon voilà, allez, on passe à la suite. On va repasser dans des trucs chauds, quoi. Alors, ceci, c'est un sous-pull. Je le pensais pas, il me paraissait beaucoup plus clair sur le site. Mais bon, on va essayer, de toute façon, on ne se rend jamais compte qu'on ne sait pas porter. Alors, pour ce... Bon, je suis désolée s'il y a du bruit, il y a ma maman qui est là, ok? Alors, pour ce top, j'espère que vous ne voyez pas ma culotte, sinon je descendrai. Parce que du coup, les pulls de bas. Donc, il est joli, mais en même temps, faut super bien l'accessoiriser parce que sinon, ça fait très simple, très, très voilà. Il est plutôt court, très court même. Donc, voilà, on passe à la suite. Je me sens très nue. Et ma maman me dit qu'il est transparent. Ah oui, à mettre avec le body beige du coup. Hein. Alors, cette robe du coup, elle est super jolie. Bon, très très jolie. Franchement, et c'est pareil, elle m'a pas coûté très cher, mais moins de 10 euros. Donc, ça vaut le coup, Shein. Et bien, je vais renfiler ma robe, que je sais pas où j'ai mis, et on va faire les derniers t-shirts. Alors, celui-ci. Je dois être myope, je trouve jamais les étiquettes. Bon, je sais pas si vous arriverez à bien voir, mais du coup, le côté, il est froncé. Et c'est un manche long classique, plutôt pour la demi-saison, parce que pour l'hiver, il fait frais. Quand même. Donc voilà, il est vraiment beaucoup plus joli que le couleur crème rouge des cheveux là. Mais franchement, il tient super chaud. J'aime bien la matière, mais du coup, le fait qu'il soit hyper transparent, c'est pas très joli. Parce que du coup, j'aurais pu mettre le body beige. Le problème, c'est que le body beige, il va arriver où? À essayer. Faudra que je vois ce que ça donne. Mais sinon, c'est pareil, il tient super chaud alors qu'il est fin, mais il tient super chaud. On repasse à du noir. Voilà, c'est une petite chemise. Ça fait bizarre, non? Elle est coupée bizarrement. Elle est pas jolie celle-là. Je suis déçue. C'était plus joli sur les mannequins. En même temps, leurs mannequins sont super jolis. Mais sinon, en fait, j'aime bien les manches. Ouais, non, celle-là, ça, c'est pas validé. Le dernier petit top blanc, ça c'est pareil, ça va être transparent. Je sais pas pourquoi je continue à prendre du blanc sur Shein parce que. C'est toujours transparent. Mais avec le body beige dessous, ça pourrait être pas mal. Mais celui-là, je l'ai déjà essayé en début de vidéo, non? Non, c'est pas si transparent. Je sais pas si c'est le même, le tout premier, en noir, je crois que c'est exactement le même que celui-là. Ça, c'est vraiment très joli. Pour faire bah, exactement cette tenue-là, franchement, c'est super joli. Bon, col en boots, par contre, sinon on a froid. Mais c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Très joli celui-là. Et le dernier, c'est quoi? Un t-shirt noir tout simple. Un petit top noir tout simple, pareil, demi-saison plutôt, parce qu'on n'est pas sur quelque chose de très épais. Plutôt, ouais, quand on arrivait du printemps, fin de l'été, c'est pas mal. Bon, les amis, on est un autre jour, 2 jours, bah, la journée suivante, j'ai reçu un paquet.
Je l'avais, mais alors totalement oublié quand j'ai filmé la vidéo. Mais il y avait trois articles qui n'étaient pas dans le gros carton, qui est toujours dans ma chambre. On est genre un peu moins d'une semaine avant, après. Bon, c'est pas grave. Il y avait trois articles. Il y avait un petit pull rose comme ça là. Bon, j'avoue, j'ai triché, je les ai déjà essayés. J'ai essayé avec ma maman. Donc, un petit pull rose comme ça, col roulé. Il est super beau. Et la texture est trop agréable. Donc, bon, je vais l'essayer. Donc, la première petite jupe, c'est une jupe comme ça. C'est bien une jupe, hein, c'est pas un shirt. Et en fait, elle est asymétrique sur le côté. Je sais pas si on voit. Et elle a des petits boutons. Je me demande si c'est vraiment comme ça qu'on la porte. Pas plutôt comme ça. Oui, si c'est comme ça. Celle-là, c'est comme ça, pardon. Excusez-moi, j'ai bugué. Donc, elle est asymétrique comme ça et elle a des petits boutons. Franchement, je la trouve super jolie. Et la deuxième, donc, c'est une noire comme ça. Toute simple. Et pareil, avec un côté asymétrique devant. J'essaye tout ça et voilà quoi. Voilà pour le pull. Je vais faire le pull en premier comme ça. Je vous mets un peu plus près. Je le trouve super joli. Il est vraiment super beau. Il est surtout super chaud et c'est vraiment ce que je voulais. Bon, souvent j'avoue qu'il fait super beau. On se croirait un peu au printemps. Mais bon, j'avais quand même mis mon sweat. Bah, vous l'avez vu dans la commande. Que je kiffe parce que franchement, il est pas de trop. Donc voilà. Bébé, écoute, à porter sans manche en dessous. Parce que sinon, franchement, vous mourrez de chaud. Mais il est quand même super joli. Et la petite jupe, et franchement, je trouve qu'elle est super bien. Elle tombe très bien. Elle est ni trop longue, ni trop courte. Elle se cache ce qu'il faut. C'est vraiment top. Je la trouve vraiment trop chouette. Franchement, je l'aime beaucoup. Et elle taille super bien. Moi, je prends un XL pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, je l'ai pas dit dans la vidéo. Mais tous les hauts, c'est en L. Et tous les bas, c'est en XL. Mais franchement, je la trouve trop belle. J'aime beaucoup. C'est la deuxième. Donc voilà pour celle-ci. Franchement, c'est quasiment la même. Franchement, c'est quasiment la même. Juste, il n'y a pas les petits boutons. Elle est super jolie, c'est pareil. Franchement, c'est une petite jupe à porter super facilement. Elle est ample, elle est agréable. Et surtout, elle ne remonte pas. Parce que ça, on connaît, c'est trop chiant. Je vous laisse avec l'outro du coup de l'autre vidéo. Vous savez quoi? C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez Shein. Moi j'aime beaucoup. À chaque fois ils ont des codes de réduction de ouf. Franchement, on commande au moins une fois par trimestre avec maman et ma soeur. Voilà. N'hésitez pas à me dire si je vous ai fait craquer. Parce que ça a le temps d'arriver. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et surtout, faites attention à vous.